Bon, ben, moi, c'est Dominique, je me rappelle là vraiment, vraiment bien, vraiment fâché entièrement, parce que yo venu pour moi planter en poteau, en pylône TDF1, que nous-mêmes pas d'accord. Nous-mêmes pas d'accord, nous sommes ici. Il n'y a pas averti nous pour te dire nous mettre en pylône ici. Yo venu mettre en plan 4, nous battons même ça, ben là, c'est des rasiers. Et c'est après nous découvrir que ni plan 4 ça là. Là, on m'a dit que bon, c'était des yo serré nous le bagaille et jodia nous même disposé en masse pour nous être là pour que pilon t'a pas planté. M'a demandé bon ben TDF yo cherchant l'autre terrain, l'autre bagaille pour porter pilon t'a là parce que le gars dit que ni moun qui malade à l'entour ni rivon qui malade ni nous ni tis nous là Kavin kay nous ni yish Kavin kay nous. Et là, c'est pas qu'il est là, qu'il est implanté là. C'est Timon, il est malade. Ça veut dire que et nous, quand il cherche, c'est qui ça qui est malade. Et peut-être c'est ça qui est malade. Et moi-même, j'ai malade. Moi qui n'ai pas cancer. Hein? Ça fait 3 ans. L'autre planté, c'est pour finir tuer moi. Madame, moi aussi malade. Ça fait tuer madame, moi aussi. Alors, moi, j'ai dit non. Non, pilon. Non à cette pilon de TDF. Nous parler. C'est les nous parler, nous parler. Merci. Voilà, pour le pilon, on n'est pas d'accord pour le pilon. Hein? Il faut que le maire touche un autre endroit pour mettre son pylône. Parce qu'il y a des enfants qui sont malades, il y a tout le monde qui est malade, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut qu'il cherche un autre endroit pour donner pour faire le pylône. C'est pas sur le terrain là, on est trop près. Et en plus de ça, je me suis renseigné vis-à-vis de plusieurs personnes, informaticiens, qui m'ont dit qu'effectivement c'est très dangereux pour nous. Donc, de demander au maire de déplacer le pylône au niveau de notre santé. Et que, voyez-vous, vous avez des enfants qui sont déjà assujettis à une maladie ici et il en connaît. Donc, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, sachez que moi, j'ai besoin de vivre pour mes enfants, mes petits-enfants et pour les gens ici. Parce que nous formons une famille. Ok, donc on ne dérange pas cette famille, s'il vous plaît. Merci. Oui, parce qu'il y a d'autres endroits aussi qui est un peu plus éloigné de la population de Saint-Pierre qu'on peut mettre ce pylône-là. Parce que là qu'on veut mettre ce pylône-là, c'est trop avancé près de notre maison ici. Et nous sommes déjà malades, nous serons encore plus malades. Et nous demandons au maire de dire la vérité. Parce que vous savez, le Seigneur nous dit, moi je suis dans le Seigneur, le Seigneur nous dit tout ce qui est caché sera dévoilé. Ne mentez Exactement. Pas pour la population. Lorsque vous êtes venu, on vous a élu, la population vous a élu, vous avez dit que vous voulez vraiment travailler avec la population. Je voudrais dire aux Pierrotins qu'il est temps que la ville soit là, à la hauteur de leurs espérances. Je crois que Saint-Pierre mérite mieux. Saint-Pierre est l'une des plus belles villes de la Martinique. Saint-Pierre peut aussi aider la Martinique à se développer. L'équipe qui se prépare autour de moi est une équipe d'hommes et de femmes motivés d'abord par leur amour de Saint-Pierre, par l'envie de servir Saint-Pierre et les Pierrotins, pas de se servir, et qui sont prêts à travailler du premier jour au dernier jour du mandat que vous leur confierez. Si nous qui sommes ici, nous vous disons de ne pas mettre cette pylône, nous vous demandons d'accueillir ce que nous vous demandons et de faire de façon à ce que cette pylône ne soit pas mise chez nous, s'il vous plaît. Et si vous avez l'audace, dites-nous vraiment la vérité. Moi, je crois dans ce que le Seigneur nous dit. Monsieur Gobal Tegoïchen, porte-parole du collectif Clavis Maus, mettons-nous dans le conflit et puis TDF, avec TDF. Qui est Meya Bayo Tirenta à Tibgachou. Vous mettez en antenne, en antenne de télécommunication, radio télécommunication. Pour nous croire montrer les autres que emplacement que TDF qui mettait pilona. Ici, il y a un emplacement là. Et vous regardez pour mes maisons à peine en face, à peine 8 mètres, 10 mètres. Pour nous, l'autre cas là qui est là, même bagage à 10 mètres. Nous avons tous ces bâtiments qui m'ont cadé au moins en 15 mètres. Et pour tout pylône qui fait plus de 50 mètres de hauteur. Et de toute façon, nous avons dit que c'est sans effet sur la santé publique. Nous avons dit non, le risque zéro n'existe pas. Et nous connaissons en matière de technologie,
ça fait avancer l'homme, mais ça détruit l'homme dans sa nature, dans ce milieu naturel. Bon, maintenant, nous ne sommes pas des sites exactement. Nous sommes des citronniers. Okay, nous remontons aussi des citronniers, des bananiers, qui a des citrons, des bananiers, des cocotiers. Nous sommes en pied et fruits et caïmiches. Nous sommes des candas. Nous avançons toujours. Nous avançons. En les citrons, nous montrer. Nous avons des coques d'époux qui occupent du tyrannien qui en l'est là. Et Maka dit, faut que la population, puis la population martinique savent, et puis Meya, TDF savent que à la grève 2009 en Martinique qui dure 45 jours, si t'as qui ni banane, une cocotier, une carambolier, une citronnier, une toutes ces espèces arbres de fruitiers en les citas là, c'est grâce à occupant là qui permettent que les résidents Clavis Marius, les résidents plus les locataires, parce que les résidents et locataires Clavis Marius, bayo, manger. Et c'est là que nous sommes venus pour un petit banane nous. Et c'est grâce à mes citas là. Et je dis que c'est dommage que TDF, le jour est venu, et puis Pellio, vous êtes détruit cet état-là. Mais grâce à la mobilisation du collectif, nous mobilisons comme nous baillons courrier, mais à Tivouille, des camarades de suspension du projet, mais le combat n'est pas fini. Et maintenant, Mayaka dit que ce n'est pas lui, c'est TDF qui a persisté à dans démarche ça. Nous connaissons le problème. Alors maintenant, Mayaka dit que le combat ne fait que commencer et pour qu'on finisse. Et pourquoi fait et nous avons été mobilisés. En 2015, nous, ça fait plus de 30 ans que j'habite dans cet état-là. Et nous avons plus de 45 ans que j'habite dans un. Nous connaissons la souffrance de l'habitat dans des logements sociaux. Maintenant, ils ont rajouté une deuxième souffrance pour nous. Et souffrance-là, c'est santé publique nous qui est en jeu. Et je dis, c'est Jean-Saint-Pierre, allant les sites Martinique première en 2015, c'est une confrontation avec les plateaux Martinique première et ils ont découvert l'un des candidats qui a parlé de souffrance li à dans des logements sociaux. Je voudrais savoir, je pose la question de savoir à mon adversaire combien de temps il a vécu en logements sociaux de sa vie. Mais je parle de logements sociaux, mais en maison pauvre, besoin de maison. Moi j'ai vécu 10 ans en HLM. Je suis un enfant des HLM. Des cités, dortoirs. Quand ma famille, malheureusement, a dû émigrer là-bas, j'ai vécu 10 ans en logements sociaux. Ça n'est pas à moi qu'on va apprendre à quoi servent les logements sociaux pour les plus démunis. D'accord ? Je n'ai pas de leçon à recevoir de mon adversaire là-dessus, qui voudra bien me laisser m'exprimer. Il s'agissait les deux fois de demander à l'ex-maire de respecter la loi, tout simplement. Ces chantiers n'étaient pas signalisés de façon légale, et ça n'est pas moi qui me suis révolté contre ça, ce sont bien des riverains. Et nous-mêmes, c'est à la même cas, nous, hein. Et TDF, pour le bien de la commune, de la municipalité, je n'ai pas mis tout le monde là-dedans parce qu'il y a mais il y a les adjoints plus sa majorité, je n'ai pas mis l'opposition parce que l'opposition n'a pas voté pour j'étais là, mais il y a ajouté, il y a rajouté en deuxième, et il souffre ce bain. Alors, je m'a dit que, cher Piotin, jugez-vous-même. Et je m'a dit, à part d'aujourd'hui, hein, Je vais lancer un appel à les Piroutins qui ont goûté pour santé et à la population martiniquaise qui a défendu la santé publique. Parce que nous n'avons assez que c'est meilleur qu'à ces promoteurs de l'antenne, des projets, et puis il n'y a pas qu'à respecter la tranquillité de ces riverains. Et je dis que c'est l'antenne tout près de ces bâtiments. Nous ne sommes pas contre ce projet-là, mais nous sommes pour le déplacement de ce projet-là. Et nous sommes bec et ongles pour tout à part venir là. Et c'est pourquoi Macalissé lance un appel à tous les Piroutins, à tous les Martiniquais, pour nous combattre TDF. Parce que c'est un combat pour de terre contre pour de fer. Et nous connaître ce genre d'injustice-là. Alors Macalissé remercie tout le monde que nous prenons contact avec le collectif-là. Quel que soit le bagage, quel que soit le combat, il y a proposé de nous, nous allons au charbon et puis.
Parce que là, nous allons défendre cette République. Là, ce n'est pas politique. Là c'est la santé publique que nous allons gommer. Et nous connaissons les choumes, Guadeloupe, Martinique. Nous allons gommer main en main pour sauver la santé publique en Martinique qui est en Guadeloupe. Maintenant, que ce qu'on a rajouté un deuxième problème à nous, qui m'a dit nous pouvons vivre. Comme Mme Vénidia, qui m'a dit nous pouvons vivre, qui m'a dit nous pouvons vivre, qui m'a dit nous pouvons vivre, qui m'a dit nous pouvons vivre. Non. Et je me rappelle, M. Limé, M. Christian Raffin, l'année passée, mais en 2015, il était fait en shot. Il était dit que tout grand projet que vous avez fait, les élus doivent faire en enquête d'utilité publique. C'est important. Et nous avons vos documents à le site noir pour vous découvrir la vérité. Parce que c'est inadmissible. On a fait des grands projets et que vous-même, vous n'avez pas avec les populations à ce sujet-là. C'est un grand chantier, c'est ce type public qui est là. Nous connaissons les résultats. La RSK de nous, oui, il n'y a pas de danger, ce n'est pas vrai. C'est après 30 40 ans, on voit le danger. Alors, je dis que merci à la population péotine de soutenir nous à nos combattants. Et le combat ne fait que commencer contre les TDF. Alors, nous avons ouais, cette là, c'est à nettoyer et nous tous de enfouir que moi et numéria et ni poule et ni canda et ni coq. Alors l'envie l'autre jour tu dis venir et puis appel pour te croiser bagage tu n'as madame tu commences à utiliser si madame n'a pas été fait attention peut-être je t'ai croisé sans porter attention. Mais heureusement que la vigilance de madame il voit que c'est mental que c'était ni gendarme tenu ici nous baillons les documents officiels que mai avril. Alors maintenant affaire n'est pas fini. Alors, nous avons été vigilants, nous avons été mobilisés, et puis nous avons fait appel aux Pierrotins, aux Martiniquais qui ont défendu cette République. Là, c'est pas un combat politique, mais c'est un combat santé publique. Là, c'est primordial pour nous, c'est santé publique qui est en jeu. Alors, je remercie tout le monde qui a fait opinion en liberté. Si positif, oui, si pas positif, ça c'est vous. Chacun donne un avis, il a fait un avis, mais nous, nous avons été vigilants. Je vous remercie. Merci. Pour porter une précision à ce problème-là, M. Gomba, c'est pas hier, il est sur ce terrain-là. Mais ça fait plus d'une trentaine d'années, de parents en fils, plus de 50 ans, qui sont là. Et je trouve que c'est inadmissible que le maire n'a pas pu trouver autre. Maintenant, c'est vrai qu'il a trouvé d'autres endroits, d'autres sites quotidiens, mais on connaît déjà la persévérance de ces gars-là. Et je dis que c'est dommage. Et c'est pourquoi que je vous ai dit qu'on va se battre contre ce projet-là, contre l'implantation sur celui-là, parce que c'est inadmissible de venir avec un tracteur de pelle pour abîmer ce site-là qui est aussi merveilleux de détruire la nature. Je pense que c'est inadmissible de détruire la nature pour ça, pour de l'argent. Et notre santé publique est en danger. Eh bien, merci d'être venu pour filmer le lieu où vous êtes le pylône du TDF. Santé publique en jeu. Donc nous sommes en train de se battre pour pouvoir pour penser qu'on va, implanter ce pylône près de chez nous pour qu'on puisse regarder l'avenir. En bonne santé. Surtout la nouvelle de nos enfants. Nos enfants. Surtout. Surtout. Ok. Merci.